Allez, on se retrouve pour les huitièmes de finale féminin de cette Open Pirate Darts. Des fléchettes, du coup. Et on va donc jouer un huitième de finale entre Priscilla Savry, si à l'écran, devant la cible, et Marie Gomez. S'il vous plaît, El Coco, s'il vous plaît. Un peu de tenue. Voilà, on va enchaîner du coup 1-0-1 cricket et peut-être 1-0-1, sachant que c'est en BO3. Du coup, premier qui gagne deux matchs à gagner. Est-ce qu'on aura du Boris d'après ma feuille? Écoutez, ma feuille est remplie en temps réel actuellement. Et c'est un temps réel assez long. En fait, le temps, j'ai jamais vu le temps aussi réel de toute ma vie. C'est un temps très très réel. Ok. La bulle vient d'être tirée. On va donc commencer le premier 0-1. Huitième de finale, qualifié pour les quarts de finale. Smack, smack. Et c'est parti pour le show! J'ai envie de verser une larme. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un match. Allez, c'est parti pour le premier 0-1, donc c'est très facile, il suffit de scorer jusqu'à faire 501 points, pile poil, le plus rapidement possible. Genre évidemment, il faut jouer l'un après l'autre et pas simultanément. Ce qui donne un avantage certain au joueur numéro 1. Oh d'accord, clôture du 1 sur une bulle ratée. Ouf, petit rebond indé de la fléchette, malheureusement considéré comme auto. La Marie qui fait 63-63, son score fétiche. Et puis, s'il faut faire mieux que 15 à l'entraînement, ça. Voilà, ça bullait beaucoup plus. Quoi, rattraper son retard avec une bulle, malheureusement, c'est raté. .375 à descendre. Et la bulle qui, malheureusement, échappe un tout petit peu à Marie. Fléchette plantée très légèrement sur le côté et deux fléchettes qui ont quasiment touché le centre sans être dans la bulle. Jouer de malchance. Assez loin de la cible celle-ci. Hein. 20, c'est un. Oula, elle est considérée comme auto, bien que plantée. Aucune contestation. Pour elle, la flèche est out. Même si elle s'est plantée malencontreusement. En fait, pourquoi est-ce qu'elle est considérée comme out? Parce qu'en fait, elle a touché, en fait, elle a planté la flèche qui existait déjà avant de se planter. C'est une faute. Ok, elle arrive à 300, mais son adversaire est à 204. C'est quasiment 100 points d'avance, sachant qu'elle a débuté. Ça risque de descendre assez vite. Ouais, en plus un l'automne réussi, c'est-à-dire deux bulles sur trois flèches. Voilà, parfait. Très très bon tir. Arrive peut-être un tout petit peu un peu tard parce que là évidemment c'est facile de clôturer. C'était facile de clôturer. 101. Se rapproche du coup du 0 avec 24 et maintenant on va voir si eh bien Marie a les nerfs assez solides pour ne pas buster. Pneu, ça vise le double 12. Le double 6 raté, du coup c'est le premier bust. On retourne au score d'avant. Voilà, score qui était un score de 24. Cela dit, bon, avec 166 à marquer, ça risque d'être compliqué. Et la première flèche dans le double 12
de Marie risque de terminer tout ça. Marie qui est très 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 en avance ici. Même sa deuxième chance quasiment gratuitement. Il vaut pas rater quand même. Ah, et encore un bust. Hein. Ça rate les bonnes parties de la cible. C'est un peu la course au bust. C'est 4 au lieu de la bulle. Malheureusement, triple 19, triple 14 pour finir 99. Le triple 19 est raté d'un pixel, malheureusement. Et là, on est loin de la bulle. Du coup, 69, score érotique. Avec double 12, hein, c'est ce qu'il faut faire depuis le début. Malheureusement, Marie n'arrive pas à toucher. Voilà, c'est tir déterminé. Et ça suffit. Premier point pour Marie Gomez. Et on enchaîne sur le cricket. Commencer du coup Priscilla Savry. Non, je crois pas qu'il y ait de double migatoire. C'est juste pour la belle la fermeture. Le master lock. Bien, triple 20. On s'octroie le 20 rapidement et score 20 points. La flèche d'après, c'est plutôt 3 bonnes flèches. Toujours agréable hein, de réussir à rentrer une flèche dans un triple. Le triple 19 est visé et c'est réussi aussi sur la deuxième flèche. Pareil, statu quo entre les deux joueuses. Une a le 20, l'autre a le 19. Et du coup, ça tente d'attaquer. Oh, bien joué. Du coup, deux fléchettes pour fermer le 19. Et triple 20 de score. Et magnifique. Bien plus précise sur les triples là. Ne l'a été sur la bulle lors du 0-1 précédent. Vous voyez, pas à l'aise avec le 18. Hein. Elle a préféré scorer le 17. Qui aime pas le 18 là-haut. Et quand t'es petit, mieux vaut viser la partie basse de la cible, c'est vrai. Ça se tient. Du coup, bah, Priscilla a répondu immédiatement en fermant le 18. Le 17 par contre et le 18 est ouvert tout de suite. Waouh, 3 grosses flèches, un triple 18, simple 18, triple 20. Donc ça score 18 points, ça ferme le 20. Du coup il n'y a pas plus possibilité de scorer là pour Priscilla Savry. Mais bon, elle a l'avantage au score, du coup elle va aussi fermer le 18 et tenter d'ouvrir le 16. Voilà, 16 elle a largement raté. Et là tout change. Là tout change, c'est la précision qui va rentrer en jeu. Si la précision sur le 16 est bonne. Ah, malheureusement, c'est qu'un simple. Marie peut revenir dans la partie. Ah, la fameuse question, les joueurs sont à quelle distance de la cible ? 2m77. Je vais me faire une petite martingale, là, tiens, pour le plaisir. 2m47. Vous voyez là, Marie elle est repassée devant au score hein, parce qu'elle a eu le 16. Malheureusement, bah, Priscilla elle rate l'occasion de marquer sur le 16. Et là, du coup, vous voyez, elle se dit bah, je suis en retard au score, faut que je score le 15. Le truc c'est qu'elle rate un peu le 15. Ici, tu vois, elle a marqué qu'un seul point sur le 15. La bulle qu'elle peut viser. Vous voyez comment Marie a réussi à retourner ce cricket hein, sur les petites imprécisions de Priscilla, sur le bas de la cible notamment. Allez, là, ça cherche plus que la bulle. Il n'y a plus que la bulle à chercher. Ah. 29 points d'avance. Bon, ça peut se rattraper à la bulle, mais avec au-dessus de 25 points, c'est quand même confortable. Voilà, la bulle est là, mais vous voyez, toujours pas de score. Et là, on peut faire 50, mais non, c'est raté. Bon, un hat-trick, on n'en parle plus. Un bon low turn. Non, ça préfère scorer. C'est malin. Voilà, c'est très très bien joué. C'est très très bien joué avec 194 points, quels que soient les tirs à la bulle que peut faire ici Priscilla. Elle ne rattrapera quasiment jamais son retard.
Du coup, Marie va être qualifiée pour les quarts de finale de ce tournoi. Faut-il encore toucher la bulle? Une fois. Et deux fois. Petit sursis. À présent. Un sursis qui risque d'être de courte durée puisque voilà, la bulle termine ce point, elle tirera quand même sa dernière fléchette. Marie Gomez remporte donc cette manche 2-0. Demande si ça joue la troisième partie ou pas. Bon, vous regardez juste la feuille de match. Oui, on joue la troisième partie. Non, c'est bon. C'est bon, c'est terminé du coup. Victoire de Marie Gomez 2-0 dans ce huitième de finale. L'Espagnol hein, qui est donc à présent qualifié pour les quarts de finale. Et maintenant, on va se